Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Je vais être tristounet, là. Tu joues à quoi, Antoine? Rien. Tu joues à rien? À l'âge de 20 ans, Guy de Pourtalès quitte Genève, où il a passé son enfance, pour Neuchâtel. Un peu comme Guy, Paul de Villars, le protagoniste de La Pêche miraculeuse, quitte lui aussi, à l'aube de ses 20 ans, le Genève de son enfance, où tu vas, Antoine ? Pour Neuchâtel. Un peu comme Guy, un peu comme Paul, moi aussi aujourd'hui j'ai 20 ans, et c'est loin du coin de France où j'ai grandi que je vis. Ici à Neuchâtel, dans cette ville que je ne connais pas. Et alors que je lis La Pêche miraculeuse, cette ville, je la regarde. Je la découvre, rue après rue, place après place. Je la découvre et je la filme, sans trop savoir pourquoi, avec cette vieille caméra retrouvée dans un carton. Celle avec laquelle mon père nous filmait, mon frère, ma sœur et moi, quand nous étions enfants. Et rue après rue, place après place, au fur et à mesure que je filme, Neuchâtel recouvre toutes les cassettes de mon enfance. En découvrant la ville, j'ai l'impression que ces rues sont imprégnées de l'histoire de Guy, de l'histoire de Paul, de cette histoire qu'il a écrite à passer 50 ans. Alors je me demande si, comme Paul, Guy a vécu tout cela, tout ce qu'il raconte. S'il est vraiment tombé amoureux pour la première fois ici, si cette fille, Louise, a vraiment existé, et si elle était aussi jolie que dans le roman, s'il l'a vraiment embrassée pour la première fois, après lui avoir joué une sonate de Schumann, si elle lui a vraiment brisé le cœur, et si il lui a vraiment offert un exemplaire de la nouvelle Héloïse de Rousseau, avant de partir pour l'Allemagne et ne jamais revenir à Neuchâtel. Mais à 20 ans, on n'est pas comme ça. On n'est pas Paul de Villars. On ne fait pas dépendre toute sa vie d'adulte d'un simple baiser. On n'est pas un héros romantique, c'est plus tard qu'on le devient. Quand t'as passé 50 ans, on décide d'en écrire l'histoire. Mais peut-être qu'au fond, c'est pas ça la question. Guy de Pourtalès n'est pas Paul de Villars, mais en écrivant l'histoire de Paul, c'est sa propre vie qu'il transforme en fiction. Et moi, toutes ces rues, toutes ces places que je ne connais pas, elles seront bientôt marquées par le souvenir, par mes souvenirs, et je n'aurai plus rien à découvrir. Bientôt Neuchâtel ne sera plus seulement à Guy et à Paul, mais il sera à moi aussi. Et comme lorsque j'étais enfant, je pouvais être Batman, chevalier, Zidane, pilote d'hélicoptère, indien, archer ou mini playboy, je serai ces amoureux sur la jetée. Je serai cet enfant en ballon rouge, je serai cette dame, je serai cet homme, je serai ces gens. Je serai eux, tous. Mais pour ça, il faut peut-être que j'arrête de filmer. Et peut-être que dans 20 ou 30 ans, je pourrai me raconter l'histoire héroïque de mes 20 ans. Je serai un peu Paul de Villars sur les rives du lac, ce lac gris et brumeux, mais que je rêverai pourpre. Il est peut-être temps de quitter l'enfance.